Le film La Douleur sera en compétition aux Oscars 2019. Le 21 septembre 2018, le Centre national du cinéma a annoncé que La Douleur d'Emmanuel Finkiel représentera la France lors de la prestigieuse cérémonie à Los Angeles. Ce long métrage avec Mélanie Thierry figurera dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère. La Douleur, le scénario de ce film inspiré d'un récit. Le long métrage La Douleur est adapté d'un texte éponyme rédigé par Marguerite Duras. Son époux, Robert Antelme, est arrêté et déporté en 1944 parce qu'il fait partie de la résistance. Ce film dramatique relate comment la romancière va entamer une relation avec un agent de la Gestapo afin d'obtenir des informations sur son mari dans l'espoir de le sauver. Mélanie Thierry interprète le rôle principal dans ce drame. Dans ce film dramatique qui sera en compétition aux Oscars en 2019, le rôle de l'écrivaine a été attribué à Mélanie Thierry. Emmanuel Bourdieu incarne, quant à lui, son époux prisonnier de guerre. Benoît Magimel figure également au casting de La Douleur et interprète Pierre Rabier. Benjamin Biolay campe Dionyse, l'amant de l'auteur. Le réalisateur ne propose pas un biopic aux spectateurs. Pour décrire La Douleur, Emmanuel Finkiel indique qu'il ne s'agit pas d'un biopic. Le cinéaste a souhaité proposer un film mettant en avant une femme qui réagit comme un être humain, pas comme un écrivain. Il ajoute également que cette réalisation se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale comporte plusieurs passages qui touchaient à l'innommable. La romancière a fait l'objet de diverses adaptations. Plusieurs ouvrages de Marguerite Duras ont été adaptés au cinéma. Outre La Douleur, on retrouve India Song ou encore L'Amant. Soulignons que ce film faisait partie des nominés dans la catégorie Meilleure photographie aux Oscars de 1993.